Chers Ivoiriens, chers Africains, citoyens du monde, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Charles Blegoudé, ancien détenu de la CPI, aujourd'hui acquitté. Bonjour M. Charles Blegoudé. Bonjour M. Bonne année 2022. Merci à vous aussi. Bonne année à vous. Et au-delà de vous, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter la bonne et heureuse année 2022 aux Ivoiriens, aux Africains qui nous suivent, mais particulièrement aux Ivoiriens, je voudrais saisir cette occasion pour leur dire que c'est vrai, nous entrons nouvellement en 2022, on a l'habitude de souhaiter les vœux les meilleurs, de santé, mais je voudrais sortir de ce schéma classique pour rappeler que nous sortons de plusieurs années de crises qui ont endeuillé notre pays. Le sang a trop coulé. Et là où le sang coule, les larmes aussi ont trop coulé. Nous devons tourner définitivement cette page triste de l'histoire de notre pays. Quand notre pays est à genoux, nous devons être solidaires pour le rendre solide. Nous devons être unis autour de la Côte d'Ivoire, notre patrie, notre seule patrie. Je voudrais donc les regarder droit dans les yeux et leur dire bonne et heureuse année. La Côte d'Ivoire nous appelle, notre pays nous appelle, nous devons la rebâtir dans le respect de nos différences. Nous sommes si différents. Le chef de l'État tout récemment a parlé d'État-nation qu'il faut construire. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'un État renvoie aux institutions, à une organisation politique, administrative, là où la nation est un territoire sur lequel peut vivre des populations qui sont liées par une identité et par une culture. Tout cela, juxtaposé, appelle au fait que nous devons être ensemble pour demain. Bonne et heureuse année aux Ivoiriens. Je vous remercie. Merci. Vous rappelez simplement qu'aujourd'hui, je suis accompagné de 4 confrères avec lesquels nous allons pouvoir vous interroger. J'ai Alexis Bansé, le patron de Connexion Ivoirienne. À côté de lui, nous avons Pleun Wolters. Elle est hollandaise. Elle travaille pour le studio 040 à Eindhoven. Marie-Paul Babli de Ziana TV et Guillaume Vergès, patron de People Actu, biographe de Magic System et anciennement conseiller en communication de Alpha Blondie, la reggae star ivoirienne. Directement, nous allons commencer par Alexis Bansé. Alexis, l'honneur est à toi. Bonjour, merci, cher confrère Jean-Paul Oro. Monsieur le ministre, je souhaite aussi de ma part les vœux les meilleurs. Comme nous sommes en début d'année, je pense que c'est la moindre chose que vous présentez les vœux. Merci. On a entendu vos vœux. On va, à mon niveau, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Le thème sur lequel je vais tenter de tirer quelques mots de vous, de tirer des réponses de vous, concerne le processus de paix et le dialogue politique engagé depuis très peu en Côte d'Ivoire, je crois, quelques semaines. Et quand on regarde, je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont plus ou moins abordés au niveau du processus de paix et de dialogue politique. Il y a la question des exilés, il y a la question de la commission électorale indépendante, il y a la question des prisonniers. Mais avant de commencer, ce qui nous a un peu frappé, c'est que le COGEP n'était pas présent à cette rencontre. Quelle est votre réaction? Merci. Merci, je suis content de vous retrouver. Merci. Il faut d'abord souligner qu'il est bon de saluer l'initiative. Je veux parler de l'initiative du dialogue politique. Si un dialogue politique a été convoqué, c'est qu'il y avait une nécessité. Et la denrée que la Côte d'Ivoire recherche aujourd'hui et dont elle a besoin après tant d'années de crise,
c'est que ses filles et fils s'asseyent autour d'une même table pour poser une diagnostique. Pour qu'il y ait donc un dialogue politique, il faut créer le cadre, il faut une méthode, il faut des acteurs et il faut un contenu à ce dialogue-là. En parlant du COGEP et de son absence, on rentre dans le cadre des acteurs. Vous m'interrogez aujourd'hui à partir de la haie. Moi, je ne suis pas un fonctionnaire international qui était affecté ici. Je suis Charles Blégoudé et à l'issue de la crise, crise à cause de laquelle donc certains Ivoiriens sont allés en exil, d'autres ont été emprisonnés en Côte d'Ivoire et deux citoyens ivoiriens, dont le président Laurent Gbagbo et moi-même, nous avons été transférés ici à la haie pour faire l'objet d'un procès. Parce que nous sommes considérés comme des acteurs majeurs de la crise. Parlant de moi, si j'ai fait partie du problème, parce que c'est pour cela qu'on m'a envoyé ici, est-ce qu'on n'a pas besoin de faire avad pour accepter et comprendre que celui qui a fait partie du problème doit faire partie de la solution? Et si la table ronde ou le dialogue, selon comme vous l'appelez, a pour objectif de trouver une solution à la crise qui endeuille la Côte d'Ivoire, où est donc que ma table est vide, ma chaise est vide, c'est moi le président du COGEP. Donc nous devons être présents. Mais pour cela, je pense que, Monsieur Gansé, je lance encore cet appel. Je dois être autour de cette table. Parce que je fais partie du problème et je dois faire partie de la solution. Merci. Ok, ça c'était concernant le COGEP. Vous estimez que vous devez faire partie de cette table? Je n'estime pas. Non, c'est ce que vous dites. La logique estime que je sois là. Oui, il y a la logique, qui est votre logique. Ce n'est pas forcément la logique du pouvoir en passer à la vision. Donc, ma question concernait l'éventualité. Yeah? Que jusqu'au bout, vous ne soyez pas associé à la chose. À ce dialogue politique. Allez-vous accepter, allez-vous endosser en tant que structure politique, en tant que parti politique, hein, le projet, la résolution, ou bien la décision qui sortirait de ce processus? Oui, quand on fait l'inventaire des conséquences de la crise ivoirienne, je ne ferai pas de mon absence un problème. Ma personne est trop petite pour que, parce que je ne suis pas là, je remette en cause les résolutions. Le plus important, c'est que ces résolutions prennent en compte le vécu des Ivoiriens. C'est que ces résolutions participent à sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière. Parce que les grandes nations sont celles qui ont su tirer les leçons, les enseignements, mais tous les enseignements des crises qui les ont secouées. Pourvu que ceux qui vont se réunir autour de cette table-là aient conscience de ce qui est attendu par les Ivoiriens. Parce qu'il faut mettre les Ivoiriens au centre de ce débat-là. J'espère simplement que ce n'est pas encore une autre occasion de partage de pouvoir. Que j'espère que ce n'est pas simplement une autre occasion de partage de postes ministériels et de DG. Parce que c'est à cela qu'on nous a donné l'occasion d'observer. La Côte d'Ivoire n'est pas à son premier dialogue. Cette fois-ci, il faut qu'on ne nous donne pas du réchauffé. Vous avez bien dit, le cinquième. Donc, pourvu que les problèmes ivoiriens soient pris en compte, moi... je suis pour que la paix arrive en Côte d'Ivoire et ma personne ne doit pas poser un problème. Mais est-ce que vous y croyez vraiment qu'à l'issue de ce dialogue politique-là, quelque chose de bon pourrait en sortir? Parce que vous partez déjà sur la base que vous estimez être un élément de la solution. Mais puisque vous n'y êtes pas, donc la solution ne sera pas la solution idoine aujourd'hui aux questions ou à la problématique de la réconciliation ivoirienne et du processus de paix en Côte d'Ivoire. Monsieur Oro, ce que nous avons fait au niveau du COGEP, pour montrer notre amour pour la patrie, et ce que nous aussi, nous espérons de ce dialogue, nous n'avons pas voulu faire de notre absence un problème. C'est pourquoi, depuis un moment, vous voyez le COGEP et ses responsables en tournée pour rencontrer les autres partis politiques et les autres mouvements de la société civile qui y ont été invités pour partager avec eux notre vision et nos attentes de cette rencontre politique, de ce dialogue politique. Donc, il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire. Il faut faire en sorte
d'y participer directement ou indirectement pour que les propositions soient prises en compte. Ainsi donc, les acteurs qui ont été invités, nous les rencontrons et nous partageons avec eux notre vision. Donc, on construit un document que nous sommes en train de remettre aux autres acteurs. Sans langue de bois, est-ce que vous ne vivez pas ça comme un acte de mépris ou une injustice, le fait que vous ne soyez pas invité à ce dialogue politique? Sans langue de bois. Oui, je vis ça comme un mépris et je vis ça comme une tentative de banalisation et de marginalisation. Or, la marginalisation et la banalisation ont été toujours à la base des crises que la Côte d'Ivoire connaît. Il faut tirer les leçons de notre crise. Il faut avoir le courage de regarder dans le miroir et dans le rétroviseur de l'histoire récente de notre pays. Ce qu'on estime être à la base de la crise, c'est qu'ils sont en conflit. Il faut donc les réunir autour de la table. C'est vraiment simple que ça. Mais entre mon vœu et le vœu de ceux qui organisent ce dialogue politique, il y a un hiatus. Maintenant, je dois mettre au-dessus de moi ma frustration, l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. C'est pourquoi j'ai demandé et j'ai donné des instructions fermes à la direction du COGEP de concevoir un document contenant nos propositions et la vision que nous avons de cette Côte d'Ivoire post-crise. Voilà ce que je vais vous dire, monsieur. Ma dernière question, hein, avant de, passer la parole aux choses aux confrères qui sont ici avec nous. Concerne les différents échanges qui ont eu lieu ces dernières semaines entre le RHDP, les deux principaux partis, le groupement politique en Côte d'Ivoire, le RHDP et puis la coalition, le PPACI, et puis le PDCI et RDA, concernant les poursuites éventuelles sur les événements de 2020. C'est pas une façon de donner raison aux Ivoiriens qui disent que ah, mais ces gars, on les connaît, ils vont se réunir encore, ils vont faire n'importe quoi, on sait, ça va coucher encore d'une souris. Le départ n'est pas faussé, selon vous? Je dois dire que je suis inquiet, sans langue de bois. Pourquoi je suis inquiet? Pendant qu'on appelle au dialogue politique, le procureur de la République sort et il lance quasiment des menaces à mots couverts aux différents partis qui ont. Et organisations qui ont lancé la désobéissance civile qui a entraîné près d'une centaine de morts. Comment vous jugez ça? Je pense que c'est de tout cela qu'il va s'agir au cours du dialogue politique. Alors, je ne comprends pas les pugilats politiques qui ont lieu avant même le dialogue politique. Pour dialoguer, il faut créer un environnement. Propice au dialogue. C'est déjà inquiétant que ouais. Ceux-mêmes qui vont aller dialoguer et trouver une solution au problème qui mine la Côte d'Ivoire et qui ont été à la base de cette crise sont déjà eux-mêmes en conflit avant d'y arriver. Et est-ce à dire que ce qu'on nous a servi jusque-là à travers la presse de retrouvailles, de climat social qu'on est en train d'apaiser, est-ce que c'était du leurre? Je ne sais pas, je m'interroge encore. Mais on ne va pas se limiter à cela. C'est un appel que moi je vais lancer. Aux leaders politiques de la Côte d'Ivoire. Ce dialogue politique va au-delà de nos petits calculs politiciens. Il s'agit de la vie des Ivoiriens. Il s'agit d'orphelins qui sont aujourd'hui les victimes de cette crise. Il s'agit des gens qui hier étaient des tuteurs et qui aujourd'hui sont devenus des sous-couverts. Il s'agit des gens qui sont loin de leur pays aujourd'hui. La crise ivoirienne a semé un désastre qui va au-delà de nos luttes de positionnement. Je voudrais ici lancer cet appel-là. Pour apaiser de nouveau le climat et créer un environnement propice à ce dialogue dans lequel, présent ou pas, je place un espoir. Ok. Alexis Poncé. Ça va. C'est bon? Ok, merci. Tu vas laisser ta place à Madame Pleun Wolters de Studio 040 à Eindhoven, please. Yes. Rappelez à nos téléspectateurs, ou du moins. Notez à nos téléspectateurs que Mme Pleun Wolters va interroger M. Charles Blegoudé en anglais. Yes. So my first question is, what is your situation right now? Thank you. As everybody knows, I've been acquitted. I mean, definitely. Since that day, I was expecting to go back home, but still I'm here. And then every Tuesday and every Friday, I have to go to the headquarters of the ICC and see just to tell them I'm here.
twice a week, I have to go to the ICC for that. So yet I've not gone back home while I was expecting that. I'm here at The Hague. I don't have the right to go out of The Hague. For me to travel, I have to ask for permission to the ICC administration. Otherwise, I'm not allowed to go there. Yeah, and are there other things you cannot do right now? First, I cannot go out of The Hague. Second, I have to show myself to the headquarters of the ICC twice a week, Tuesday and Friday. I cannot travel. And as you know, I cannot go back home because I don't have my passport yet. This is my situation. Yeah, and for what reason you have no passport yet? I cannot tell. As a citizen, this is my right to have a passport. And I made a request. All the document that I requested have been given to that institution here at the embassy of my country in The Hague here. I went there since July of last year. But this is now 7 months that I'm waiting for my passport. The government of the country said through the spokesman of the government that there's no problem for me to have my passport to be delivered. But the reality is that, the fact is that I'm waiting and I don't have my passport yet. And the president of my country, I mean the former president with whom I was here in jail at Schwenningen, is now back home. And all the ministers of the same government which I was part of, they all are back. And the only figures that is now outside of the country here precisely at The Hague is Charles Blibody. So then I'm waiting. And what do you think is behind all this? I can't tell. I can't make any comment of that, but I'm leaving this as an injustice and it's not fair to me. But I'm waiting. I will not be the one to explain why it's like that. But the only thing it says is that I'm really surprised for what is going on for a simple passport that is administrative, usual. I don't know why people are making this all difficult. But this is politics in Africa, and time will tell. How do you feel about your situation right now? I'm really frustrated, I can tell you. Because I don't understand what I'm going on. I've been brought here because of the post-electoral crisis in my country in 2010 and 2011. There have been six years. Every day, every morning, I was going for hearing here at the ICC, you know. And then, in the end, I've been acquitted. Normally, when somebody is suspected and in the end is acquitted, he should go back home and be free and enjoy his freedom, which is not my case. So I'm really frustrated and I don't understand what is going on. I can understand. And did you get a financial compensation? I requested for that. I requested for this compensation, not only financial, but also moral. Because I think that I've been a victim of some prejudice, some huge prejudice. A lot of years, many years of my life, I've been taken. I've been away from my children. They didn't grow up in my presence. I don't know if they know how to say mom or dad, but the fact is that I'm very far from them. I didn't take part of their education. And my image also has been spoiled worldwide. I've been brought like a criminal. And after 6 and 7 years, the result is I am innocent. I am acquitted. For that, I requested for ICC a moral and financial compensation. The 13th of December last year, the hearing took place. Now we're waiting for the result, the decision of the court. When is it going to happen? We don't know. Here you have to wait. You have to be patient. Yeah. We are patient here. But anyway, one day it will happen. Yeah. What do you think should happen now?
What should happen now is for all the organization of human rights to do something in my favor so that they can prevent people from my country, I mean the government, not to break the law and allow me to go back home because I'm a freeman. This is what I'm expecting now. Because ICC, I think, is the highest jurisdiction. And then these jurisdictions set me free. Why cannot I go back home? This is bizarre. So this is what I'm expecting. Thank you. Finish? Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Pleur. OK. Voilà. Maintenant, nous allons passer à ma consoeur Babli Marie-Paul de Ziana TV. Merci. Merci de prendre place. Merci. Monsieur le ministre, ravi de vous retrouver. Permettez-moi de boire un peu. Vous avez le droit. Et heureuse année à vous. Merci. Heureuse année. Merci, voilà. Merci, je suis quand même ravi de voir que vous avez quand même une bonne forme. Merci, pour votre situation. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que la consoeur a posé des questions, donc c'était en anglais. Effectivement, permettez-moi de relancer un peu cette question qui intrigue pas mal d'Africains. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire, sauf Charles Bégoudé, et vous dites vous ne savez pas pourquoi. Je pense qu'il y a eu une interview de monsieur Bakongo qui a quand même donné une piste. Et qui a dit, on ne peut pas permettre à Charles Bégoudé de rentrer comme ça. Vous croyez que vous effrayez le gouvernement ivoirien? C'est pour ça qu'on vous laisse ici, honnêtement. Préciser que M. Bakongo, qui est conseiller politique du président de la République, a ajouté qu'on ne sait pas d'où un coup peut venir. Donc on préfère vous laisser ici. Je crois que vous avez quand même une bribe de réponse. Le coup peut venir soit de vos anciens adversaires, soit de vos anciens partenaires et alliés. Alors là, merci, je me trouve face à plusieurs réponses. Avant le ministre Bakongo, la première réponse que j'avais eue était celle donnée par le porte-parole du gouvernement, qui avait dit qu'il n'y avait aucun obstacle à l'obtention de mon passeport et à mon retour. Sauf que ce passeport est dans le circuit. Et moi, j'attendais juste à la fin du circuit pour que le passeport me tombe entre les mains, que le ministre Bakongo vienne dire autre chose. Là où on a dit que j'étais un citoyen ordinaire qui devait attendre son passeport, maintenant, il y a des inquiétudes selon ce que le ministre Bakongo a dit, parce que j'aurais des ennemis qui pourraient à tout moment me faire du mal. Mais c'est cela la vie. C'est cela la vie. Moi, vous ne trouverez pas dans un pays un seul individu, même dans votre propre famille biologique, quelqu'un qui ne vous en veut pas. Même entre camarades au lycée, à l'université, sur votre lieu de travail, partout, vous avez toujours quelqu'un qui peut vous en vouloir, vous vouloir du mal. C'est pourquoi l'État existe. Oui. Pour assurer la sécurité des citoyens. Monsieur Bakongo lui-même, sans vouloir entrer dans la polémique, parce que je ne veux pas du tout lever une polémique autour de mon passeport et de mon retour. Mais c'est une polémique, puisque vous ne l'avez pas depuis 7 mois. Parce que moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire sous fond de crise. Je vais rentrer par la voie de la paix et pour la paix. Donc je ne vais pas faire de polémique. Mais, monsieur le maire de Kumasi, il vient de faire un déguerpissement. Ils sont des centaines, voire des milliers, qui sont mécontents de lui. Est-ce que pour cela, on peut lui dire que lui doit être hors de la Côte d'Ivoire, vu qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas contents de lui? C'est pas... Je pense que non, c'est pas peut-être ce qu'il voulait dire. Ils sont certainement en train de prendre des précautions, et c'est normal. Et je suis content que lui, au moins, reconnaisse que je ne suis pas un citoyen lambda. C'est ça que je retiens. Et qu'il n'y a pas d'obstacle à mon passeport. Je préfère retenir ce qui est positif. Il n'y a pas d'obstacle à mon passeport. Et que le gouvernement de mon pays est en train de prendre les dispositions pour que je puisse rentrer dans mon pays. Si et vous... sur ce passeport, très bien. Moi je ne voulais plus parler de ce passeport. Parce que pour moi c'est une honte pour mon pays. Ça n'honore pas mon pays. Qu'un document administratif comme un passeport
fassent l'objet d'interviews, de déclarations. Et tous ceux à qui je demande me disent, Monsieur Roux, c'est le chef de l'État qui doit trancher. Tous ceux que j'ai au téléphone, au niveau des autorités ivoiriennes, me disent, c'est le chef de l'État qui doit trancher. C'est une décision qui revient exclusivement au président de la République. Parce que moi, je fais la différence entre l'obtention de mon passeport et mon retour en Côte d'Ivoire. Apparemment, les deux sont liés. Oui, mais l'obtention de mon passeport est un droit. Et c'est un document administratif auquel j'ai droit. Je n'ai jamais été déchu de ma nationalité ivoirienne. Donc, j'ai droit à un passeport. Même si je ne peux pas me déplacer par là en Côte d'Ivoire, je peux au moins me déplacer pour aller dans le monde entier. Parce que je suis libre. Alors, maintenant mon retour, c'est vrai que l'article 22 de notre constitution dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Exactement. Mais je pense que des raisons politiques existent. Et ça, je peux le comprendre. Je ne fuirai pas la réalité. Et mon retour doit être discuté avec les autorités de mon pays. D'accord. Cela, je le conçois. Mais c'est pour le passeport que je ne comprends pas. Je voudrais ici demander au chef de l'État de faire en sorte qu'on tourne définitivement la page de la crise comme lui-même il souhaite. Parce que mon maintien ici à La Haye fait partie des stigmates de la crise. J'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des partisans, j'ai des connaissances qui souffrent de mon absence en Côte d'Ivoire. Et tant que je suis ici, pour ceux-là, la crise n'est pas encore terminée. Il faut faire en sorte qu'on tourne définitivement la page de cette crise. Et moi, je suis preneur pour jouer ma partition quant au processus de réconciliation en cours dans mon pays. Pour le reste, ce sont des calculs politiciens qui se discutent toujours. Merci. Très bien. Vous dites dans vos propos rapidement, ben, je suis libre. Pourtant, tout à l'heure, j'ai cru entendre que vous devez toujours continuer à les signer à la CPI. Et ça, ce ne sont pas des signes de liberté. Premièrement, votre parti n'est pas adjoint au processus de paix. Vous êtes bloqué ici. Je pense que par ricochet, vous devez comprendre que soit vous dérangez, soit on ne veut plus de vous en Côte d'Ivoire. Oui, entre je suis libre, que vous devez comprendre comme un principe de liberté. Oui. C'est-à-dire que je suis venu, j'ai fait l'objet d'un procès relativement à une crise et mon acquittement a été prononcé d'abord en première instance, ensuite en appel. Et cette décision, elle a été prononcée par le président de la chambre d'appel, qui plus est le président de la Cour pénale internationale, doublement. Donc, c'est cela que je veux dire quand je dis je suis libre. Maintenant, il y a des obstacles que vous venez de souligner, mais cela n'est pas mon fait à moi. Je pense qu'il y a trop de calculs politiciens autour de ma personne. Je suis entre le marteau et l'enclume. Quel marteau, quel enclume. Voilà. Je crois que nous avons en tout cas, moi, je constate simplement que je suis entre le marteau et l'enclume. Voilà. Des gens de qui, par exemple, de qui je suis en droit d'attendre un soutien ferme, sont les premiers à me lancer les pierres. C'est tout à fait normal que l'adversaire récupère cela et en fasse son chou gras. Nous avons défendu une cause. Et je pense avoir joué mon rôle jusque le 31 mars 2021, où nous avons été acquittés. Mais beaucoup de calculs politiciens se font autour de ma personne. Je peux? Je suis à vous. Très bien. En parlant de calculs politiciens, Monsieur le ministre, est-ce que vous trouvez légitime, on vous donne la possibilité, le fait que beaucoup trouvent un peu le jeu du COGEP, la politique du monde du COGEP un peu floue. D'une part, je vous poserai directement la question, quels sont vos rapports aujourd'hui avec l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo? Vous avez des nouvelles? Vous vous appelez? Vous vous appelez plus? C'est terminé? D'abord, qu'est-ce que vous appelez la politique floue du COGEP? Tout simplement le fait que, par exemple, votre parti actuellement dans une processus de dialogue parle avec, par exemple, M. Afinguessan.
M. Afinguesan, qui fait partie et qui fait l'objet de la séparation entre le FPI et le PPACI de M. Laurent Gbagbo. Par un autre volet, par exemple, le fait que vous êtes un peu proche, enfin certains le disent, de M. Boga Servais, qui est un soutien de Simone Gbagbo. De Dr. Boga Servais. De Dr. Boga Sako, excusez-moi, le docteur, qui est un soutien de Mme Simone Eivé et qui beaucoup décrit l'ancien président de la République. Donc, en tout cas, beaucoup estiment qu'ils ne comprennent pas très bien ce que le COGEP est en train de faire actuellement au niveau politique. Donc, peut-être que vous allez nous donner la possibilité d'éclairer les choses. Madame, je vais être très clair avec vous. Oui. Et je pense qu'à partir de cette interview, oui, on ne parlera plus de flou. D'accord. Vous voyez, les gens estiment que le COGEP est allé rencontrer le Premier ministre Afinguesan. Les gens estiment que je suis proche de Boga Sako, qui est proche de Simone Gbagbo. Et donc, on devait faire leur budget. La différence entre ces gens dont vous parlez et nous, c'est que le COGEP ne veut pas être là où il y a les polémiques. Le COGEP ne veut pas être là où il y a des petits problèmes de personnes. Le COGEP veut être là où on discute des problèmes des Ivoiriens. Le COGEP veut être là où on discute des quotidiens des Ivoiriens. Et ça, madame, je vous regarde droit dans les yeux, je l'assume. Même si ça crée des polémiques. Je dis que je l'assume. Vous avez compris ça? Voilà, je l'assume. Moi, je ne veux pas être là où il y a les petites polémiques inutiles qui n'apportent rien à notre vie. Est-ce que le COGEP d'aller rencontrer? Tout comme j'ai demandé au COGEP d'aller rencontrer Mabrik Tchakus. Tout comme j'ai demandé au COGEP d'aller rencontrer le PDC IRDA, ce qui a été fait aussi. Tout comme j'ai demandé au COGEP d'aller rencontrer Boga Gervais Sako, que je salue ici. C'est un homme courageux. Il dit ce qu'il pense. Il n'est pas de ceux qui viennent au micro, ils disent le contraire de ce qui est dans leur tête, et la nuit, ils viennent nous appeler pour dire non, on est d'accord avec vous, mais vous voyez, on a un petit positionnement. Ce sont les guerres des positionnements qui nous perdent le temps. Moi, je suis un homme, j'ai décidé qu'il y ait une logique entre ma pensée, ma parole et mes actes. Je ne serai pas là où il y a les petits conflits. Je ne serai pas où il y a les petites réunions d'hypocrisie. Je ne serai pas là où il y a les petites polémiques inutiles. Je veux qu'on puisse bâtir la Côte d'Ivoire autour d'idées, dans le respect de nos différences. Merci. Très bien. Vous n'avez pas répondu à une question qu'elle a posée. Vos relations avec Laurent Gbagbo. Votre là-dedans aujourd'hui, le niveau voilà, où ça en est, votre ancien co-détenu. Tout récemment, j'aimerais ajouter récemment, dans une interview, il a dit qu'il n'était pas Charles Blé Goudé, il ne parlait pas comme Charles Blé Goudé. Comment avez-vous ressenti et vécu cette intervention à votre endroit? Merci beaucoup. D'abord, j'ai quotidiennement des gens au téléphone, je lis la presse ivoirienne avec beaucoup d'amusement. Des gens inventent un conflit qui n'existe que dans leur esprit entre Brian Babou et moi. Je répète que le président Gbagbo et moi, nous avons fait 6 années de prison ensemble. Nous avons partagé toute une douleur ensemble. Et puis, nous avons été acquittés et il est parti en Côte d'Ivoire. Quand on nous jugeait tous les matins, on était 2. Quand on souffrait dans notre cellule, on était 2. Le jour où le 31 mars, on était là et puis la salle était calme. Et puis, les mouches volaient presque. On attendait les mouches voler dans la salle parce qu'on ne savait pas quel allait être notre sort là, d'un moment à l'autre, et que notre sort se trouvait sur les lèvres du président de la chambre d'appel, on était 2 à vivre ces moments que je ne souhaite même pas un adversaire. On était 2. Voilà ce que moi je considère. Le reste, ce sont des jeux dans lesquels moi je ne veux pas rentrer. Maintenant, quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'est pas moi, monsieur Oro, est-ce que c'est faux? Non, laissez-moi, vous avez posé une question. Monsieur Koudou Laurent Gbagbo dit que lui, il n'est pas monsieur Charles Blé Goudé. Au niveau du patronyme, d'abord, est-ce que c'est faux? Il dit, je suis un ancien chef d'État. Est-ce que c'est faux? Il dit, je ne parle pas comme monsieur Charles Blé Goudé. Dès l'instant où il n'est pas moi, il ne peut pas parler comme moi. Même Michel Gbagbo, qui est son fils, n'est pas lui. Donc, arrêtons de chercher les polémiques là où ça n'existe pas.
J'ai entendu des gens dire oui. Le président Gbagbo l'a renié, il a désavoué. Paul dit, je ne m'appelle pas Pierre. Il n'y a pas de polémique. Mais ce que je n'accepte pas, c'est la comparaison que l'on veut faire exister entre un monsieur comme Laurent Gbagbo et moi. Non, je ne veux pas de cette comparaison. Elle ne peut pas exister. Quand le président Laurent Gbagbo faisait la politique, j'étais encore élève au lycée classique d'Abidjan. Il a une expérience que je n'ai pas. Il a des responsabilités que je n'ai pas. Maintenant, dans le fond du débat, où on dit que j'ai demandé pardon, ouais. Pour moi, le pardon, il est divin. Qu'on le demande ou qu'on l'accorde, il est divin. Et vu la situation de mon pays, je pense qu'il y a des mots qui peuvent apaiser même l'adversaire. Quand on veut parler de réconciliation, il y a un environnement propice qu'il faut créer. C'est pourquoi. Au sortir du 31 mars, lorsque nous sommes acquittés, au lieu de jubiler, comme si j'avais remporté une Coupe du Monde, j'estime que mon pays est encore en crise. Je l'ai fait en âme et conscience. Je ne l'ai pas fait pour quelqu'un, ni au nom de quelqu'un. Je l'ai fait pour moi-même. Et chaque fois que j'aurai l'occasion, je dirai à toutes ces victimes ivoiriennes, de la crise ivoirienne, qu'elles soient des victimes pro-Ouattara, des victimes pro-Gbagbo, mais ce sont des Ivoiriens qui sont morts au nom de la politique. Il y en a qui n'ont même rien à voir avec la politique. Maintenant, qui les a tués? C'est ça le débat, la justice ici. Bien sûr. Moi, j'ai demandé pardon. Ça ne veut pas dire que j'ai tué quelqu'un. Et, monsieur Oro, je suis quelqu'un qui assume ses propos. Mais je ne veux pas du tout qu'on mette des polémiques inutiles en me prenant Laurent Gbagbo et moi. Madame Babli, vous avez 2 minutes si vous avez d'autres questions. Deux autres. Rapidement. Une première, c'est-à-dire en fait, en ce qui concerne, on revient un peu sur le processus d'indemnisation que vous avez demandé. Vous savez que quasiment, ça n'a jamais été accordé hein, au sein de la CPI. Pourquoi avoir voulu tenter quand même cette procédure? Et excusez-moi, pour une juriste comme moi, le fait que vous ayez pris cette tribune pour parler de préjudice moral, on ne comprenait pas très bien en fait le lien entre ce que vous demandiez, votre plaidoyer à la CPI et le fait que vous demandiez une indemnisation qui peut vous être accordée dans la mesure où vous avez été libéré après 6 ans de captivité. Donc on avait plus l'impression que vous faisiez un plaidoyer politique que juste juridique. Et je pense que les juges aussi ont été un peu déstabilisés. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu dessus? À mon avantage, si les juges ont été déstabilisés, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à la CPI, on parle politique. D'abord, ça, il faut que vous le sachiez. À la CPI, on parle politique. C'est la politique qui m'a envoyé à la CPI. Deuxièmement, le préjudice que je demande, la compensation, l'indemnisation que je demande, effectivement, elle est morale. Et elle est morale, elle va entraîner une compensation financière. C'est comme un romancier qui exprime sa passion en écrivant des livres. Son objectif premier, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est de raconter l'histoire, d'exprimer sa passion, de vivre sa passion pour la littérature. Conséquemment, sa pensée est vendue sur papier et cela lui rapporte de l'argent. Oui, j'ai demandé une compensation morale à la CPI et puis, conséquemment, j'ai demandé une compensation financière. Mais je n'ai pas tenté, c'est mon droit. La loi me donne droit à demander une compensation, une indemnisation si j'estime être victime d'un préjudice. Le préjudice, il est clair. J'ai été traîné dans la boue. J'ai été brandi au monde entier comme un criminel. Et à la fin, 6 années après, je suis reconnu non coupable. Bien que le procureur savait que son dossier était vide, j'ai demandé à la CPI de me réparer cela. De me réparer, toutes les années qui m'ont été volées. Voilà, je suis dans mon droit. Et dernière question, votre parti, c'est quand même le Congrès panafricain. Donc vous parlez panafricanisme. Que ressentez-vous quand vous voyez un monsieur comme Éric Zemmour se rendre en Côte d'Ivoire avec toutes les idées qu'il prône, hein, un peu raciste comme on le dit, se rendre dans votre pays? Est-ce que, en tant que panafricain, en tant qu'Africain, tout ça ne vous inquiète pas pour l'avenir de votre continent? Ça sera ma dernière question. Éric Zemmour est candidat pour diriger les Français. Mais il se rend en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est libre de ses mouvements. Il est parti en Côte d'Ivoire, il n'est pas allé s'adresser aux Ivoiriens. Il est allé au camp militaire, au 14e Biman, et il a rencontré les Français en Côte d'Ivoire. C'est à eux qu'il est allé parler.
Et c'est eux qui doivent lui accorder oui ou non leur suffrage, selon que son projet de société leur convient ou pas. Mm-hmm. Moi, je ne voudrais pas m'émouvoir de tout cela. Mais c'est un individu qui est libre de ses mouvements, il est libre d'aller là où il veut. Et il a emprunté un avion, tout comme il peut aller aux États-Unis, il peut aller partout. Mais quand il va, je pense qu'il est en campagne. Et je souhaite ne pas me mêler à ce débat, qui est un débat franco-français. Merci. Merci. Merci, Madame Babli. Très bien, au revoir. Merci. Voilà, nous allons accueillir mon confrère Guillaume Vergès. Voilà, dans le fauteuil. Guillaume Vergès, que vous connaissez naturellement, qui vous a certainement interrogé plusieurs fois. Comme je disais, Guillaume Vergès, directeur de patron de People Actu. Actu People, voilà. ActuPeople.net. Et biographe de Magisystem, du groupe Magisystem, et anciennement conseiller en communication d'Alpha Blondie. Guillaume Vergès, Monsieur Charles Begoudet, à vous. En tout cas, merci de nous recevoir sur votre plateau. Monsieur le Président, nouvelle et meilleure pour le nouvel an. Merci. À ce propos, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la nouvelle année? Mon retour en Côte d'Ivoire et mon passeport. C'est votre vœu le plus ardent. En tout cas, c'est mon objectif premier. Retourner auprès de miens et prendre part au débat politique dans mon pays. À la faveur justement de cette nouvelle année, vous avez initié, on va dire, cette interview. Quel symbole cela révèle pour vous? J'ai voulu sortir du cadre classique auquel on nous a habitués et parler à bâton rompu. Me soumettre aux questions des Ivoiriens à travers vous. Je n'ai pas peur des questions. Je veux qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Je veux qu'on parle de la Côte d'Ivoire profonde. Je veux qu'on parle de la Côte d'Ivoire telle qu'elle est mosaïque. Je veux qu'on parle de la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Et je veux que toutes les questions soient abordées. C'est pourquoi je me suis mis à votre disposition. Et à travers ce moment-là, je ne voudrais pas seulement souhaiter des vœux de santé, des bons, comment vous dites ça, des longévité, des prospérité. Mais voilà, ce sont que des souhaits. Parler de mon pays. Je suis à vous. Bien avant, vous avez fêté vos 50 ans, le 1er janvier. Qu'est-ce que cet âge représente pour vous, ces 50 ans? D'abord, je voudrais rendre grâce au Seigneur de m'avoir accordé ce demi-siècle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et 50 ans, quand même, c'est l'âge de la maturité. Je pense qu'on ne me dira plus que je suis trop jeune, que j'ai fait partie de ce que l'on appelle maintenant, nos détracteurs appellent les GPP, les générations pressées. Voilà. Et pas de 50 ans. On sait ce qu'on veut. On sait ce qui est bon pour nous. On sait ce qui n'est pas. Ce n'est pas à cet âge-là qu'on a mis dictée ce que je dois penser, ce que je dois dire. Les dictées préparées, je n'en veux pas. Je veux, comme le fleuve, faire mon propre lit. Tout de même, cet âge est représentatif de la tranche, on va dire, générationnelle qui a amené à diriger la Côte d'Ivoire des demain, dont vous faites partie. Et à ce propos, celui qui est aussi leader comme vous, donc président du GPS, Guillaume Soureau, a lu, à la faveur du Nouvel An, il a pu faire une interview avec ses adhérents, les adhérents du GPS. Il a pu s'adresser à eux à travers pas mal d'interviews, en tout cas, où on a eu des délégations venues un peu de diverses régions de la Côte d'Ivoire. Selon vous, lorsqu'il a initié, on va dire, cet exercice, pour vous, quel est le plan axiologique qu'il a souhaité, on va dire, émettre? D'abord, moi, je refuse de commenter la stratégie politique d'un acteur politique. C'est un choix qu'il a fait. C'est un choix de communication qu'il a fait. C'est son axe de communication à lui. Selon le besoin de son parti, selon ses objectifs du moment. Je pense que sa cellule de communication en tirera, je veux dire, les conséquences, et ils vont évaluer les résultats de ce que cela a rapporté. Moi, j'ai décidé de parler aux Ivoiriens à travers des journalistes qui sont des témoins de ce qui se déroule en Côte d'Ivoire et qui m'interrogent selon ce qu'ils attendent dans la rue et pas des partisans qui viennent devant moi et me disent ce que j'ai envie d'entendre. Oui, c'est vrai qu'on va parler de ça et on en parle déjà depuis quand même une bonne demi-heure. Mais tout de même, lorsqu'on voit que le GPS a été dissous et que le président Guillaume Soro fait appel à toutes les sections de GPS pour dire « Venez me poser des questions », est-ce que ce n'est pas une manière de montrer au gouvernement ivoirien qu'au-delà de tout ce qui peut être comme dissolution, comme mesure prise dans son encontre, il existe et il est encore représentatif sur l'échiquier politique ivoirien?
C'est pas le message qu'il est en train de certainement, certainement. C'est ce que je dis. C'est son objectif à lui. Un message politique. On lui donne une trajectoire par rapport à la cible qu'on veut atteindre. En agissant ici, en choisissant ce canal de communication, en ce moment précis, là où il est à l'extérieur, Guillaume Soro avait certainement un message à passer. Mais je ne peux pas lire dans sa tête. Vous vous appelez? Non. Vous ne vous appelez pas depuis qu'il vous a rendu visite? Non. Même pas un de ses collaborateurs? Qu'est-ce qui se passe? C'est gâté en vous? Non. Moi, je pense que la situation que Guillaume vit n'est pas une situation aussi facile. Je sais ce que c'est que vivre dans la clandestinité. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et puis moi-même, j'étais au Ghana où j'étais vraiment poursuivi pendant longtemps. Donc je sais que dans cette position où en même temps on doit se cacher, en même temps défendre ses points de vue publiquement, je n'aime pas être là où il y a le conflit. Mais est-ce que vous avez profondément au fond de vous, est-ce que vous avez envie de parler aujourd'hui à ce Guillaume? Quand l'occasion se présentera un jour, on se parlera. Pour le moment, moi, je veux mon passeport, moi, je veux entrer en Côte d'Ivoire. Tu parlais de conflit, si vous permettez, vu que c'est moi qui suis là-bas. Je vous prends au mot. Tout à l'heure, lorsque vous répondiez à la consoeur, vous avez dit, je ne veux pas m'intéresser, à des clans où on passe le temps à régler des problèmes. Vous voulez parler de quel clan? Non, j'ai simplement dit, parce qu'elle m'a dit que je suis, le coup, j'ai pas allé rencontrer le président Afinguessa. Président du Fonds populaire ivoirien. Mm-hmm. Le COGEP aurait donc ainsi tourné le dos au président Laurent Gbagbo et que c'est mal apprécié. Et que la position du COGEP serait floue parce que le COGEP ne s'est pas fondu dans le PPACI. C'est ce qu'elle a dit. Alors, moi j'ai été élu président du COGEP. Je n'ai pas été élu par mes camarades pour me fondre dans un autre parti. Ça, on l'entend bien. Moi, je respecte les efforts de mes amis. J'étais en prison, en dehors de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et des jeunes gens, qui pour la plupart ne travaillent même pas, qui sont recherchés, ils se battent, ils maintiennent le projet en vie, ils me soutiennent pendant que je suis en prison. Malgré toute la campagne de communication contre moi, ils sont restés à mes côtés. Je sors de prison. Le professeur Nobou Yacinthe, ce premier secrétaire, dit président, tu es sorti de prison, voici le Canari, prends la tête du parti. Docteur Saraka, Bli Roselin, Javo Martial et tous les camarades de la diaspora qui sont restés à mes côtés, en Europe, aux États-Unis, ces gens qu'on humiliait presque chaque jour. Et je sors de prison. Et moi, j'ai dissous le COGEP pour me fondre dans un autre parti politique. Parti politique dans lequel on ne m'a même pas invité d'ailleurs. Je pense que c'est célèbre, irrespectueux vis-à-vis de mes camarades, que je voulais ici féliciter. Et leur dire que nous sommes à la sémence. Le PDCI a eu des pionniers, se sont battus pour pouvoir faire du PDCI ce qu'il est aujourd'hui. Le FPI a eu des pionniers. Le RDA a eu des pionniers. Et le COGEP n'est pas le premier parti à vivre sans son leader. Le Front populaire ivoirien de 1982 à 1988 a vécu sans Laurent Gbagbo, qui était en exil en France. Le RDR a vécu sans Alassane Ouattara, sous le pouvoir d'Henri Konan Bédié. Ouattara était en exil. Henri Konan Bédié a vécu, pardon, le PDCI RDR a vécu sans Henri Konan Bédié, qui était en exil sous Guy Robert. Aujourd'hui, c'est le COGEP qui vit sans son leader. Il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. On vous entend, vous n'allez jamais rejoindre le PPACI, hein, visiblement. Pardon? On vous entend, vous n'allez jamais rejoindre le PPACI. D'abord, je n'y ai jamais été invité. Mais ils ont quand même pris une motion pour vous. Ni officieusement. Mais oui, moi je les remercie d'avoir produit cette motion à l'issue du congrès pour moi. Parce que tous ceux qui sont là au PPACI, ce sont mes amis. Ce sont des gens que j'ai fréquentés et que je continue de fréquenter. Nous ne sommes pas en guerre. C'est ça aussi la politique. Je reviens sur ma préoccupation. Mais j'assume ma différence. Et prendre des positions de principe pour un camarade qui, au moment où on le recherchait, au moment où on l'a mis en prison, le PPACI n'était pas encore né. C'est au nom d'une cause commune que je suis à la haie. Je ne suis pas ici au nom d'un parti politique. Cela aussi, il faut savoir faire la différence. Donc, je leur dis merci d'avoir produit cette résolution pour moi, mais
Je voulais simplement vous dire, ne créons pas des polémiques inutiles. On ne va pas en créer plus que ça, mais lorsque vous dites que vous, le COGEP ne va pas rester là, ce peu d'un parti où on ne fait que régler ou alimenter les conflits, est-ce qu'indirectement vous ne parlez pas de... Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Ok. On me reproche, ou on reproche au COGEP d'avoir rencontré le président Afinguessa. Mais c'est ce que je dis dans votre réponse tout à l'heure, justement, à la consoeur. Lorsque vous étiez en train de parler, on avait l'impression que indirectement, lorsque vous dites on ne va pas rester là à s'occuper d'un parti où on ne fait qu'alimenter les conflits. Non, indirectement, j'ai dit le COGEP ne veut pas être là où on alimente les conflits et les polémiques. Deuxièmement, vous parlez d'impression. Sur ce plateau et devant toutes ces caméras, je voudrais moi dire que c'est ce que je dis qui m'engage. Vos impressions, vous en êtes entièrement responsable. Mais indirectement, est-ce que vous n'indexez pas le PPACI? C'est ce que vous pensez. Heureusement que ce n'est pas ce que je pense. Vu qu'on s'adresse aux Ivoiriens, je ne suis pas en conflit avec le PPACI. Le PPACI vient d'être porté sur le fonds baptismal en Côte d'Ivoire. Il a un projet. Et moi, je salue la naissance du PPACI. Et il vient à peine de naître. Il faut éviter de créer des polémiques inutiles autour du projet du président Laurent Gbagbo. Et puis, on verra ce que le PPACI compte faire pour la Côte d'Ivoire. Comme d'autres partis aussi. Ce qu'ils doivent faire pour la Côte d'Ivoire. On n'est pas obligé d'être en conflit. On peut parler d'une même voix. On n'est pas obligé de parler d'une seule voix. Pour continuer dans la même dynamique, c'est vrai que dans vos, par rapport à vos rapports avec le président Laurent Gbagbo, vous continuez, malheureusement peut-être, c'est à toi ou à raison, d'entretenir la langue de bois. Moi, je veux que vous dites aujourd'hui aux Ivoiriens, en toute clarté, là, nous sommes en 2022. Tout à l'heure, la consoeur est revenue sur sa déclaration. Jean-Paul Roy a abondé dans le même sens. Vous avez exprimé, vous avez dit, il n'y a pas de problème. Mais sincèrement, est-ce que le fait de rester dans cette logique, ce n'est pas une manière pour vous de continuer à avoir la sympathie des sympathisants de Laurent Gbagbo, quelque part? Non, du tout. Le fait est que je ne suis pas en conflit avec Laurent Gbagbo. Voilà. Le fait, c'est un fait que je ne suis pas en conflit avec Laurent Gbagbo et que tout le reste n'est qu'interprétation. Moi, cela fait à peine plus de 30 minutes que nous parlons. Hein. Vous avez, c'est ça la Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite qu'on parle de la vie des Ivoiriens. Okay. On va y arriver. La santé. De la santé de l'agriculture ivoirienne. De la santé de notre système éducatif. De la corruption gagnante dans notre Côte d'Ivoire. Comment on sort de cela? Jusque-là, tout est centré autour du rapport entre individus, entre autorités, entre personnalités. Mais pour clore ce débat, définitivement, je regarde votre caméra. Je ne suis pas en conflit avec le président Laurent Gbagbo. Par rapport à cette interview où vous souhaitez vos voeux aux Ivoiriens, je pense que c'est clair. Vous avez même échangé il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas de conflit avec le président Laurent Gbagbo. Ça rassure tout le monde. Et je vais vous dire que depuis que j'ai commencé réellement à connaître le président Laurent Gbagbo, il sait que je suis un garçon libre dans la tête. Il sait que je n'ai jamais été membre d'aucun parti qui dirige. Et ça ne l'a jamais dérangé. C'est comme ça qu'il m'a toujours pris. Je le répète encore. Quand je lançais l'appel le 2 octobre 2002 à la place de la République, je n'étais pas membre du parti du président Laurent Gbagbo. Ça n'a dérangé personne. Quand les chats ont envahi la résidence du président Laurent Gbagbo, que j'ai lancé un appel, ça n'a dérangé personne. Quand j'étais le bleu boudé qui fait la caravane de la paix et que je tournais partout, je n'étais pas membre du parti du président Laurent Gbagbo. Ça ne dérangeait personne. D'où vient-il aujourd'hui qu'on veut conditionner ma fidélité au président Laurent Gbagbo à l'appartenance à son parti politique? Non. Les temps ont évolué. Je suis président d'un parti politique qu'on appelle le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP. Cela ne fait pas de moi quelqu'un qui est en conflit avec le président Laurent Gbagbo. Okay. J'ai 50 ans. Vous comprenez ça? Et ce n'est pas à cet âge-là qu'on cherche des conflits inutiles. À cet âge-là, on cherche à construire. Je veux faire partie de la solution. Tout de même, vous avez un message à porter aux Ivoiriens, vous avez une vision à développer. Mais bien avant, je vais m'intéresser aux indemnités que vous demandez à la CPI. On a eu dit en son temps que le président Charles Bégout était propriétaire des stations d'essence en Côte d'Ivoire, de nombreux immeubles. Aujourd'hui, quelques années après, 10 ans après, il est désargenté au point où, après avoir été jugé par la CPI, il demande de l'argent, c'est ça? Où sont passées, on va dire, la manne que vous avez pu avoir
de tous vos investissements dans les stations d'essence, si ces stations ont pu exister, parce que c'est ce qui a été raconté quand même. Merci. Voilà. Monsieur Vergès, vous avez parlé d'immeubles. Un immeuble, ce n'est pas de la glace. Ce n'est pas la neige. Donc ça ne peut pas fondre. Donc ça existe quelque part. En Côte d'Ivoire, où je ne suis plus il y a maintenant 10 ans. On m'a qualifié de milliardaire. Les milliards, on ne les transforme pas dans des brouettes. C'est dans une banque. Les institutions bancaires en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sont sous le contrôle du régime actuel. Les stations d'essence, ce n'est pas non plus des bonbons qui vont être la paix et finie. Ça existe quelque part. 10 ans que je suis en dehors de la Côte d'Ivoire. Je veux qu'on vienne me confondre avec ces stations d'essence, avec ces immeubles, avec ces comptes en banque. Monsieur Vergès, la réalité est que j'ai été victime d'une communication, d'une campagne de communication. La preuve, lorsque j'arrive à la CPI enquête, et elle trouve que je suis indigent. C'est pourquoi c'est elle qui payait mais les honoraires de mes avocats. Après la CPI, la commission de sanctions de l'ONU est venue me rencontrer ici, en prison, pour me féliciter n'avoir pas enfreint à leurs sanctions qui m'interdisaient d'avoir un compte. Ils ont fouillé partout. Ils ont découvert que je n'avais pas de compte. Ceux qui tiennent ces propos, je crois qu'ils ont eu l'occasion pendant 10 ans d'avoir le contraire de ce qu'ils affirmaient. Non, je ne suis pas un homme qui cherche à avoir des milliards. Je veux être riche de mes valeurs. La vie n'est pas que argent. Non. Ce succès qu'on lit forcément, cette réussite qu'on lit forcément au matériel n'est pas ma vision. Et je saisis cette occasion pour vous dire ça. Pour moi, il y a d'autres valeurs qui peuvent faire qu'un homme peut exister. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que moi je veux construire demain. Cette Côte d'Ivoire des valeurs. Où ce n'est pas celui qui possède qui a le respect. Ce n'est pas celui qui possède le matériel qui a le respect. C'est celui qui a la connaissance aussi. Qui peut transmettre aux autres. Ça aussi, c'est une valeur que moi je respecte. Pour développer cette vision, il faut que vous portez candidat tout de même hein, pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Même si vous êtes encore à La Haye, est-ce que 2025, le président Charles Blé-Goudé sera candidat du COGEP aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire? D'abord, ça, ce sont des chiffres. 2025, 2020. La vie nous réserve tellement de surprises. Est-ce que vous serez candidat? J'ai dit, la vie nous réserve tellement de surprises. Que moi, je ne veux pas entrer dans ces histoires de 2020, 2021, par-ci, par-là. Ce que je puis vous dire, je veux être parmi les dirigeants de mon pays. Et un jour, je me porterai candidat à la tête de la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais caché. On pense me complexer en me disant, mais pourquoi il le dit? Mais parce que c'est ce que je pense. Mais parce que c'est ce que je veux être. Voilà. Moi, je vais être chef d'État de mon pays un jour, pas autre chose. Et je me bats pour ça. Et je travaille avec une équipe pour ça, pour travailler contre la corruption. Dire aux gens qu'il faut respecter la chose publique, que la corruption n'est pas la norme. Faire en sorte que l'éducation civique contienne le fait qu'on enseigne à nos enfants, depuis le primaire, que la corruption n'est pas une bonne chose, elle est à combattre. Quand ils vont grandir avec, nous allons trouver un pays où il n'y a plus de corruption. Je vais diriger un pays qui ne dit pas seulement qu'il est le premier pays producteur du cacao dans le monde. Alors que les paysans eux-mêmes qui produisent du cacao n'ont pas de toit, meurent dans la misère. Et que ces paysans, depuis des années, travaillent avec la daba et la machette. Là où dans les années 60, nous on était au même niveau de sous-développement que la Chine. À ce propos justement. Que la même Chine qui aujourd'hui a mécanisé son agriculture. Ça fait partie des priorités du président Ouattara pour 2022. Au point même qu'aujourd'hui, moderniser l'agriculture. Moi je salue cela. Okay. Mais faisons le point. Est-ce que vous le savez? La Côte d'Ivoire est le deuxième pays importateur de riz en Afrique. La Côte d'Ivoire est le cinquième pays importateur de riz dans le monde.
Nous avons l'eau. Nous avons un sol fertile. Nous avons une végétation variée des quatre coins cardinaux de la Côte d'Ivoire. Nous avons une pluviométrie qui est enviée. Nous importons du riz. Nous consommons en moyenne 2 700 000 tonnes de riz au niveau national par an. Nous produisons seulement 1 200 000. La différence, les 1,5 million, c'est importé d'où? De la Chine. Mais ce n'est pas Dieu qui a transformé la Chine. Est-ce un manque de volonté? Est-ce un manque de moyens? Est-ce un manque, je ne sais pas quoi, d'ingénieurs? Pourquoi la Côte d'Ivoire, alors qu'elle a l'eau, elle a la végétation, elle a tout ce qu'il faut? Le riz pousse au nord. Moi, j'ai fait l'école à Bouna. Le riz pousse à Bouna. Partout pour, en Côte d'Ivoire. Pour vous, tout est à refaire. Moi, je pense que il faut beaucoup plus booster ces secteurs-là. Si l'agriculture est notre point fort, il faut faire en sorte que nos parents ne puissent plus travailler avec des moyens rudimentaires. C'est à cela que moi je travaille. Regardez l'école ivoirienne. Aujourd'hui, les élèves demandent, eux, à aller en congé quand ils veulent. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de la sanction qu'on leur a infligée? Non, quand on veut... J'ai compris l'intention des gouvernants. Mais est-ce que tout cela est en conformité avec nos lois? Parce que pour moi, tout est la loi. Est-ce que quand un élève a mal agi à l'école, c'est dans un camp militaire qu'on l'emmène. Au-delà de l'intention, est-ce qu'il n'y a pas un code disciplinaire au sein de nos établissements? Comment en sommes-nous arrivés là? L'école représente-t-elle toujours un modèle de réussite? Celui qui se réveille à 6 heures pour aller à l'école, à côté de lui tous les jours, il regarde à la télévision, on lui présente d'autres modèles de réussite. C'est à ça qu'on assiste toujours. Est-ce que aujourd'hui, les étudiants qui ont fini leurs études, qui ont obtenu leur doctorat, pendant qu'eux, ils demandent à servir l'État et on les arrête, on les met en prison, c'est quoi le message qu'on passe à l'élève qui aspire à devenir étudiant? On lui montre que l'horizon est bouché. S'il ne demande pas à aller en congé quand il veut, il va fuir la Côte d'Ivoire encore. Autrement dit, ça c'est le pire. Pour aller dans le désert, ensuite aller mourir dans la Méditerranée. Il faut redonner espoir à notre jeunesse. Il faut redonner à l'école ce rôle. Et ça, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Tous, autant que nous sommes, nous devons nous retrousser les manches pour redonner à l'école son rôle dans notre société. Vu qu'on parle de la Côte d'Ivoire... Monsieur Vergès, il vous reste 3 minutes. Ok, parfait. 3 minutes. Je voudrais que vous prononciez sur ce que le président Alassane Ouattara a pu faire comme investissement, comme infrastructure sociale. Je souhaiterais que vous prononciez là-dessus. Je ne suis pas de ceux qui... J'allais dire, ferme les yeux et juge mal ce qui a été bien fait par ses adversaires. Il faut venir travailler pour la Côte d'Ivoire à une époque précise, avec des réalités précises, avec des besoins auxquels il fallait répondre à cette époque-là, dans un contexte précis. Après lui, le président Henri Colombédier en a fait de même, dans un contexte différent de celui du Oufou-Boigny. Ensuite, le président Laurent Gbagbo est venu dans un contexte différent. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est là, dans un contexte que nous connaissons nous tous. Il a construit des ponts, c'est bien. Il a entrepris des œuvres de développement, c'est aussi très bien. Mais je dis, ceux qui vont emprunter les ponts, ils ne se parlent pas. Ceux qui marchent sur le pont, ils sont prêts à la moindre occasion à se rentrer dedans. Le feu couve. Pourvu que deux individus, deux citoyens, un problème banal dans une communauté est une altercation, ça tourne à des affrontements intercommunautaires. Le feu couve pour régler de tels problèmes que nous transportons, que nous vivons depuis des années et que nous faisons semblant de fuir. Pour régler ces problèmes, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de dépassement. Il faut beaucoup d'auteur d'esprit. Et tout cela va au-delà
de nos petits calculs politiciens. Donc, dernière question. Au-delà de ça, le président Ouattara a libéré des prisonniers. Il a assuré le retour du président Laurent Gbagbo. Il a libéré la première dame, Simone Gbagbo. Certains camarades sont quittés au Ghana. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. C'est bon, je salue cela. Mais il peut faire mieux. Il peut faire plus. Il peut faire plus. Et c'est lui qui, en ce moment, est le chef de l'État de Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens. On a parlé de la Côte d'Ivoire du Fouboni. Ça ne veut pas dire que c'est au Fouboni qui a accouché la Côte d'Ivoire. Le faire plus, ça, c'est quoi? C'est vous donner votre passeport ou faire entrer en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. C'est de qui alors? Il s'agit des Ivoiriens. Je disais qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire du Fouboni. Ensuite, de la Côte d'Ivoire d'Andy Konabédié. Après, de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Cela veut dire que c'est lui qui a la responsabilité de conduire le navire ivoire. Alors, vous me demandez qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Monsieur Oro, l'élection en Côte d'Ivoire, vous savez que l'élection tue plus que le sida. L'élection tue plus que le coronavirus. Il faut régler les questions électorales. Donner à la Côte d'Ivoire une commission électorale véritablement indépendante, au sein de laquelle les partis politiques et leurs représentants n'ont qu'un droit de regard, donc d'observation. Parce que moi, je ne comprends pas du tout comment les autres ne comprennent pas qu'on ne peut pas confier l'organisation d'une élection à des groupements politiques qui eux-mêmes sont en compétition. Ça donnera le même résultat. Quelqu'un a dit, la vraie folie, c'est d'agir toujours de la même manière et espérer des résultats différents. Okay. Monsieur Vergès, moi je suis de l'Africa Sport d'habitude. Vous êtes à SEC. Moi je supporte l'Africa. Ah, d'accord. Bon, nous deux, nous sommes de l'Africa Sport. Okay. Et vous? Je suis Africa Sport. Bon, nous sommes de l'Africa Sport d'Abidjan et nous jouons contre la SEC d'Abidjan. Et la SEC d'Abidjan, l'arbitre du match est de la SEC d'Abidjan. L'arbitre de touche est Africa Sport d'Abidjan. Mais ce match ne va jamais finir. C'est exactement ce qu'on nous demande en Côte d'Ivoire. Que des représentants des partis politiques et des candidats viennent là et organisent les élections. Alors qu'ils représentent les candidats pour que ceux-ci gagnent. Il faut changer cette manière de voir. Il faut proposer un autre schéma aux Ivoiriens. Monsieur Oro, ça, le président Ouattara est capable de le faire. Avant de partir, il peut nous léguer une commission électorale véritablement indépendante. C'est tout à son honneur. Avant de partir, il peut nous laisser une Côte d'Ivoire réconciliée. Merci. Ok, dernière question et une réponse courte, s'il vous plaît. Ma dernière question va porter sur la sortie récente de Tikenja, et où il parle de gouvernement 20 ans. Vous aviez fait en son temps une publication lorsque vous parliez du club du G20, pour dire vous qui avez tous été condamnés à des peines de 20 ans, que ce soit vous, l'ex-première dame Simone Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et autres. Aujourd'hui, Tikenja, on va dire, en bouche la même trompette en parlant de gouvernement 20 ans. Quel commentaire? Oh, mais écoutez, monsieur Vergès, Tikenja, il est artiste, musicien, et son genre musical, qui est le reggae, est un genre musical de combat. On se rappelle Bob Marley, je ne sais pas vous l'appelez, on s'appelle Lucky Dube. Donc, ce qu'il estime être un mal de la société ivoirienne, c'est ce qu'il dénonce. Il est dans son rôle. Tout comme hier, il avait aussi dénoncé d'autres faits qu'il estimait être injustes. Donc, je n'ai aucun commentaire à faire, mais bon, il est dans son rôle. Et c'est ça le rôle des artistes. Et nous devons laisser les artistes s'exprimer pour ou contre nous. C'est leur rôle, ils ne sont pas des politiciens. Merci. Merci, monsieur le président. Vous allez pour l'instant garder le siège. Et j'ai vu mes confrères derrière en train de s'agiter, je crois. On va prendre deux questions rapidement, les regrouper, et vous allez y répondre aussi de rapidement. Façon brève pour qu'on puisse finir d'accord. Cette entrevue. Je suis à vous. Alexis Bancé. Oui, monsieur Jean-Paul, merci. J'ai une question, il y avait une question qui était très simple. Hein. Un peu fort. Pas hein, compliqué à répondre. C'est, on a parlé du PPACI. Vos relations avec M. Laurent Gbagbo ont été évoquées durant tout le temps.
Il y a quand même un petit truc qui m'a fait tiquer, c'est que le secrétaire général actuel du PPACI, le tout premier secrétaire d'ailleurs, est l'un de vos anciens camarades de lui, l'un de vos anciens camarades de génération. Je voudrais savoir quelles sont vos relations avec M. Camara Picasse. Parfait. On a des très bons rapports. On ne confond pas la politique et l'amitié. Ce qu'on a partagé était difficile. Moi, je n'ai pas connu Picasse autour d'une bière. Se connu dans la prison. Se connu dans la douleur. Et je salue d'ailleurs sa nomination au poste de secrétaire général de PPACI. Et je lui souhaite bon vent. Au moins, j'ai un interlocuteur que je connais. C'est au moins mieux pour moi. C'est ça. Madame Babli. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, vous prenez le changement, vous espérez le changement pour la Côte d'Ivoire. J'ai deux petites questions qui me viennent. Non, une seule, rapidement. Deux questions fusionnées. Je vous dis, et le président est capable de répondre. Premièrement, quel rôle attribuez-vous à la société civile aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Et deuxièmement, vous êtes panafricain, que pensez-vous de la situation du Mali? Ce sont mes deux dernières questions. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'on ait une société civile très forte. C'est le regard du voisin qui vous permet de savoir qu'il y a une tache sur votre chemise. Il faut que cette société civile aussi accepte de ne pas être des succursales des partis politiques en jouant réellement leur rôle. Et que s'éloigne, que se démarque vraiment des partis politiques et que soit une société forte, qu'elle n'attende pas de recevoir des ordres. Un rôle, on le prend et on l'assume. Une position, on le prend et on l'assume. Ce n'est pas le gouvernement qui leur donnera une place. C'est à partir du rôle qu'ils jouent dans la vie de tous les jours des Ivoiriens, des méfaits qu'ils dénoncent, que les différents responsables de la société civile en Côte d'Ivoire donneront à la Côte d'Ivoire une vraie société civile. Comme on le voit au Sénégal, comme on le voit ailleurs, dans d'autres pays. Moi, je rêve d'une société civile forte en Côte d'Ivoire. Au Mali, depuis le coup d'État contre ATT, quelqu'un qui était à la fin de son mandat et qui n'était même pas candidat à sa propre succession, depuis ce fait-là, le Mali est rentré dans un cycle infernal de coup d'État, de changement de régime, et les problèmes demeurent. Je souhaite aux Maliens de faire en sorte de poser ce problème-là sur la table, de se parler en malien, entre maliens, parce qu'avant tout, quand les djihadistes frappent, ce sont des maliens qui meurent. Les autres viennent les soutenir. Quelle est la position envers la France Quelle est la position envers la France? Quelle est la position envers la France? Actuellement, il y a une forme de résistance. On demande aussi à la France de lâcher un peu la bride au Mali. Tout simplement. Oui, je suis encore loin des réalités maliennes. Je peux lire, mais je ne sais pas réellement ce qui se vit au Mali. Et je ne veux pas donner des réponses approximatives. Mais les peuples ont toujours aspiré à être libres. Hein. Et je pense qu'il y a un vent qui s'ouvre en Afrique. Mais tout cela peut se faire sans violence. Moi, il faut tout faire pour que le Mali regagne sa stabilité. Parce que c'est un pays voisin. Vous voyez, aujourd'hui, le djihadisme est aux portes de la Côte d'Ivoire presque. Parce que le Mali, c'est la porte de la Côte d'Ivoire. Le Burkina, c'est la porte de la Côte d'Ivoire. Tout récemment, au Bénin, aussi, des militaires sont tombés. Tout cela par les actes des djihadistes. Je pense que le problème va au-delà du Mali. C'est un problème d'abord sous-régional qu'il faut traiter réellement en acceptant de dire à nos dirigeants d'arrêter de jouer les bébés au dos. La CDAO n'est-elle pas capable de consulter une véritable force? Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous voulons être indépendants. Mais dès qu'il y a un problème, on a le regard tourné vers les autres. Celui, la main qui donne est la main qui ordonne, malheureusement. Il faut que nous fassions une introspection pour ne pas chercher le bonheur ailleurs et savoir que nous-mêmes, nous sommes capables de nous sortir des difficultés. C'est seulement à ce prix-là que notre parole comptera dans le Conseil des Nations. Merci, 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 cher confrère, merci, monsieur Charles Begoudé. Nous sommes au terme de notre entrevue aujourd'hui. Et quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est notre pays a des potentialités.
nous avons un sous-sol riche. Nous avons un sol fertile. Nous avons des ingénieurs. Nous avons des médecins. Nous avons des intellectuels. On dit que nous avons 40% de l'économie de lui et moi. Mais tout ça, à quoi ça sert? Si le petit peuple ne le ressent pas dans son assiette, si on ne peut pas se soigner décemment, il y a un problème. Un peuple qui a peur ne peut pas produire. Un peuple divisé ne peut pas produire et ne peut pas compter. Nous sommes autour de la Côte d'Ivoire. Acceptons de bâtir la Côte d'Ivoire dans le respect de nos différences. Nous tous, nous ne serons jamais RHDP. Nous tous, nous ne serons jamais PDCI. Nous tous, nous ne serons jamais PPACI. Nous tous, nous ne serons jamais COGEP. Et j'en passe. Mais chaque Ivoirien a sa manière d'aimer la Côte d'Ivoire. Il faut respecter cette manière-là. Monsieur Oro, pour finir, la démocratie, certes, c'est la majorité qui gouverne. Mais la démocratie, ce n'est pas la tyrannie de la majorité. Cette majorité-là, elle gouverne en paix quand elle respecte les droits des minorités. Voilà le monde que nous vivons aujourd'hui. Et c'est à cela que moi j'aspire. Faire en sorte que les Ivoiriens ne marchent pas la peur au ventre. Faire en sorte que quelqu'un pour émettre un avis, il a peur parce que rapidement, on va essayer de le livrer à la vindique. Acceptons la contradiction. Faisons véhiculer les idées, ne faisons pas véhiculer les armes. On ne résout pas tous les problèmes avec la force. Il ne faut pas narguer l'autre. On est plus fort quand on prend en compte la vie des minorités. Et j'ai dit. Merci, M. Charles Legoudé, d'avoir accepté cette entrevue. J'aimerais aussi dire merci à mes confrères Alexis Bonsé, je le rappelle, patron du site d'information générale Connexion Ivoirienne, à la consoeur hollandaise Pleur Wolters de 040 Eindhoven, studio 040 Eindhoven. J'espère que je n'ai pas écorché, I'm not écorching your name. Ah, voilà. merci aussi à Marie-Paul Babli de Ziana TV, Ziana TV, comme le dire, avec les lunettes, avec le style. Et merci beaucoup à mon confrère Guillaume Vergès, quand il a été à Tupipol, biographe de Magic System, ancien conseiller d'Afra Blondie. Quand on l'a appelé pour lui dire, on a besoin de toi pour cette interview, il était à Abidjan, il allait directement à l'agence pour son billet d'avion pour venir uniquement pour cette intervention et retourner à Abidjan. Merci confrère pour ta disponibilité et j'espère que ta prochaine actualité, c'est le concert des patrons que tu es en train d'organiser activement à Abidjan et aussi ici à Paris. En tout cas, je vous souhaite bon vent et bonne chance. Je vais me permettre, peut-être comme on parle de Zulu, peut-être le président, chez People, tu m'as mis sur le chemin. Par rapport au Zulu, un petit mot rapidement, surtout qu'il a avancé le concert des patrons, ce sera au Sofitel Hôtel Ivoire le 5 février et le 12 février. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un genre musical que vous avez vu naître aller à l'assaut d'une salle prestigieuse comme le Sofitel? Parce que on a vu Magic System là-bas, Yodé Siro là-bas. Aujourd'hui, c'est les patrons. Non, mais nous sommes partis de Yopougon. Nous sommes partis de Kumasi. Nous sommes partis d'Abobo. Nous sommes partis de Trècheville de Batanikro. Aujourd'hui, nous sommes au Sofitel. Nous sommes à l'Élysée. Nous sommes au Zénith. Je pense que je suis fier des Zougous. Je voudrais dire à tous les Zougous qu'on nous avait minimisés. Mais cela, au lieu de nous décourager, nous a plutôt motivés. Et les encourage à produire davantage et à produire des beaux tests comme ils avaient l'habitude de faire. Et moi, je suis fier. Moi, je mène mon combat là où je peux. Et je pense qu'ils savent et on se comprend. Merci pour cette petite séquence publicitaire gratos. Voilà. Je remercie aussi toute la régie, tous les techniciens, tous les caméramans. Et profiter aussi pour dire que nous étions accompagnés lors de cette entrevue par Christelle Kobi de Brux, qui est là pour interroger le ministre Charles Begoudé. Nous le souhaitons, nous disons merci aussi d'être venu, de nous avoir accompagnés. Chers téléspectateurs, espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre cette entrevue et nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à suivre d'autres entrevues sur vos différents écrans. Au revoir. Merci.
Ah.